quand les gens m'insultent là. Vous voyez, vous savez pourquoi ils ne répondaient pas au début quand les gens m'insultaient? Surtout les artistes. Si vous avez remarqué, quand un artiste m'insulte, il ne répond pas. Parce que moi-même, dans le temps, là, quand j'étais DJ Arafat, là, souvent on insultait les artistes. Donc ça fait que quand moi aussi, les artistes ont commencé à m'insulter, malgré que j'avais arrêté, je me dis, bon, c'est un peu de karma. Hein. C'est une tontine que je ramasse un peu, mais ça ne me dit rien parce que par expérience, je suis déjà forgé et prêt pour ça. Voilà. Et maintenant, tous les artistes avec lesquels j'ai fait des feats, des projets qui devaient sortir, quand il y a eu le problème, là, j'ai pas vu quelqu'un intervenir. J'ai vu même que beaucoup même sont allés me donner conseil. Sachez que les projets ne vont plus sortir. Je juste tout ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas amusement même. Comment vous allez faire là? Âge de guerre, enterré, déterré, je ne vais plus faire sortir, je ne vais plus collaborer avec vous. Il n'y a pas à me fatiguer, lutter pour obtenir une certaine fanbase, un respect. Et puis vous allez venir profiter comme ça. Et d'ailleurs, je ne veux même plus faire des feats. Il y a à me concentrer sur ma personne, ceux qui m'aiment. On va avancer ensemble, faire des projets, des activités, tout. Je ne suis pas en train de m'amuser. Moi, je ne suis pas du genre à m'asseoir, à m'apitoyer sur mon sort à pleurnicher. Voilà. Vous vous souvenez, il avait annoncé deux fois un concert. Par deux fois, les organisateurs ont eu des problèmes, des soucis. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Moi-même, je me suis levé, j'ai annoncé mon truc. J'ai commencé à faire la promotion de moi-même, mon concert. Les gens disent, les organisateurs de concerts d'Abomey l'éléphant, là, ils doivent rembourser leur argent. Si vous voyez que ça ne me dit rien, ces pays, personne ne va m'encaisser, c'est moi-même. Dès que j'ai commencé à chanter, ma musique a commencé à tourner, là. J'ai commencé à penser à tout ça, là, pour éviter la pression inutile des gens. Je vais moi-même pour mon propre business. Tous les jours que Dieu fait, je bosse pour ça, je pense à ça. En fonction du fait qu'il y a beaucoup d'artistes, plus que moi, moins que moi, qui sont venus se jouer les dieux. Et puis à la dernière minute, ils ont fait SOS. Voilà. Je vois les gens, non, son t'a fait sortir, c'est pas bon dans les temps de décembre. Je vous dis, personne ne va rester sur TikTok ici. Tout le monde va s'en aller. Et puis si chacun devait décider du jour où il allait partir là, moi, en tout cas, il n'allait pas m'en aller. De mourir vite et puis vont venir chercher ma femme derrière moi ici. Non mais c'est une vérité. Voilà. Donc c'est des faits de société. La plupart des gens qui se sont sentis choqués par ça là, c'est des gens qui ne veulent pas changer. C'est des gens en vrai qui ont eu à reprendre ça, à boycotter les gens, à insulter, à causer du tort aux autres inutilement pour un rien. Pourtant tu ne vas rien gagner à ça. Lydie, même si tu as raison, demande pardon. Mais ça, il y a déjà fait. Pardon, vous n'avez pas vu la vidéo. Quand c'est ça, là, vous ne voyez pas. Les gens ne relaient pas. Je suis passé à la télé. Il dit, est-ce que vous avez vu une page relayée? C'est quand c'est mauvais, là. Vous-même, vous êtes pressé même de courir même. Il ne faut pas dire vous. Il a dit toi-même. Toi-même, tu es dedans. Parce que je pense que depuis que les gens ont fait du n'importe quoi sur ma page, tu n'es pas encore parti. Tu n'es pas allé voir. Tu n'as pas relayé. Tu vois, entends-là, si tu étais arrivé là-bas et puis il y avait poster nouveau challenge où il y a Mapuka dedans. Vous allez dire, mais lui là, il a attiré des enfants et puis c'est challenge où il y a Mapuka. Il a allé faire. Pourtant, vous-même là, vous partagez vidéo de Balthazar ici. Vous-même, vous êtes les parents, non? Combien de personnes ici, la vidéo de Balthazar, là, ça passe et puis ils font enregistrement d'écran. Vous n'avez pas peur que les enfants envoient ça dans vos téléphones. Je veux savoir.